Bonjour à tous, je pense que c'est bon. On est en direct. Si vous m'entendez bien, vous pouvez nous faire coucou sur le chat. Bienvenue au live meeting de Railcop et je suis en direct avec Alexandra. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de la coopérative ferroviaire. Pendant un quart d'heure, Alexandra vous présentera le projet. Je pense qu'on sera aussi rejoint par Nicolas, si tu confirmes, Alexandra. Oui, normalement, il devrait se connecter, oui. Qui sont respectivement directeur général et directeur général délégué. Et puis, suite aux 15 minutes de présentation, on vous laissera le temps de poser vos questions. Pour ceux qui sont un peu moins téméraires, on vous fera aussi monter sur scène pour que ça soit plus interactif et qu'on voit un petit peu les visages derrière les questions, si c'est bon pour vous. Je ne sais pas si Nicolas est connecté, mais sinon, on peut commencer quand tu le souhaites, Alexandra. Je pense qu'on est déjà... On a déjà beaucoup de participants et qui nous disent bonjour, je crois. Ben oui, on va commencer. Nicolas va nous rejoindre de toute façon. Nicolas sera surtout là pour répondre aux questions éventuellement plus techniques qui pourraient se poser, puisque donc moi je suis Alexandra de Bézieux, donc je suis par ailleurs la sœur de Nicolas, pour tout vous dire. Je m'occupe plutôt chez Railcop de toute la partie levée de fonds, relations institutionnelles et vie coopérative. Et Nicolas, qui est le directeur général, lui s'occupe plus spécifiquement du déploiement des services ferroviaires avec bien évidemment pas mal d'autres gens dans la coopérative, puisque aujourd'hui l'équipe, on est 17 à travailler au sein de Railcop. Donc voilà. Bah, écoutez, bonjour à tous. En tout cas, je suis ravie. Merci Alita de nous donner l'opportunité de présenter le projet Railcop. Alors, pour vous dire un petit peu qui on est, donc on est déjà la première entreprise ferroviaire sous statut coopératif d'Europe, puisque a priori, il n'y a pas d'autres entreprises qui a ce statut-là et qui a pour ambition, en tout cas, de faire circuler des trains. Donc, on est une entreprise coopérative sous une forme particulière, puisqu'on est une société coopérative d'intérêt collectif. Ça veut dire qu'on associe dans notre gouvernance une pluralité d'acteurs publics, privés, citoyens. Enfin, voilà, j'y reviendrai tout à l'heure. Quand on s'est créé en novembre 2019, on était 32. Aujourd'hui, on est près de presque 8 500. En fait, les chiffres là datent du dernier conseil d'administration, donc qui a validé les sociétaires. Donc, on était 8 245 le 11 mai. Entre-temps, il y a eu des nouvelles souscriptions qui seront validées au prochain conseil d'administration. Donc, on actualisera les chiffres début juillet, mais donc aujourd'hui, on est plus proche des 8 500 sociétaires. On s'est mis également, pour terminer sur cette présentation un peu générale, on s'est mis en conformité dans nos statuts avec les critères ESUS, donc d'entreprise solidaire d'utilité sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment qu'il y a un plafonnement des rémunérations au sein de l'entreprise, avec un ratio de rémunération qui ne peut pas excéder un ratio de 1 à 6. C'était initialement de 1 à 7, et en fait, lors de l'assemblée générale, la dernière assemblée générale, justement, les sociétaires ont proposé de revoir cet écart de salaire maximal. On n'est pas à cet écart de salaire aujourd'hui, mais en tout cas, statutairement, on ne pourra jamais être sur un écart de salaire supérieur à un ratio de 1 à 6. Voilà. Donc notre mission, clairement, c'est de renforcer l'usage du ferroviaire sur tous les territoires, donc pour contribuer à la transition écologique et en associant justement toutes les parties prenantes. Comme je disais, on sera la première entreprise ferroviaire sous statut coopératif en France. De manière enfin, formelle, aujourd'hui, on n'est pas encore une entreprise ferroviaire, puisqu'il nous reste deux étapes à franchir, qui on est en très bonne voie. Il nous reste effectivement l'obtention de notre licence d'entreprise ferroviaire. Donc là, le dossier est quasiment prêt. Il va être déposé dans les tout prochains jours. On remplit toutes les conditions pour avoir notre licence d'entreprise ferroviaire. On a le capital social qui est requis, à savoir 1,5 million d'euros. On a effectivement une couverture assurantielle qui nous couvre à hauteur de 45 millions d'euros par an et par sinistre. On a les compétences ferroviaires qui vont bien. Donc aujourd'hui, on coche toutes les cases pour avoir notre licence, qu'on va déposer donc auprès du ministère de la Transition écologique. Et puis, parallèlement à ça, il faut qu'on ait également un certificat de sécurité. Donc, on a une équipe aujourd'hui de 4 personnes au sein de la sécurité ferroviaire de Railcop. 4 personnes qui
travaille donc à l'élaboration de ce certificat de sécurité qui va être déposé le 1er juillet sur un périmètre, dans un premier temps sur un périmètre fret, puisqu'on va commencer notre service en fin d'année sur le fret ferroviaire. Et puis, on va ensuite, je vais y revenir, mais lancer nos premiers services voyageurs l'année prochaine. Donc, ce certificat de sécurité sera progressivement élargi. Mais les échanges avec l'établissement public de sécurité ferroviaire ont commencé et depuis un petit moment déjà. Et donc, on a déjà transmis des documents, etc. Donc, ça avance plutôt bien. Voilà, je vois qu'il y a des réactions sur le chat, mais on les prend après, hein. C'est ça, Meryl, j'avance dans la présentation. J'invite d'ailleurs tous ceux qui sont déjà présents à poser leurs questions dans l'onglet questions, comme ça on pourrait y revenir après la présentation d'Alexandra. Voilà. Alors, donc, une société coopérative d'intérêt collectif, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, c'est une société, donc on a une obligation d'équilibre économique, on ne peut pas être structurellement déficitaire. Et par ailleurs, il y a quand même deux spécificités, c'est qu'on a l'obligation de conserver au moins 57,5% de nos résultats dans pour renforcer notre objet social. On peut pas distribuer ce qu'on veut en termes de dividendes et même ce qu'on souhaiterait distribuer. Donc sur ce reliquat, il y a un plafonnement qui est équivalent au taux moyen des obligations augmenté de 2 points. Donc on peut pas non plus l'objectif en fait, c'est de garder la majorité de nos bénéfices dans notre objet social pour renforcer notre objet social. Et on a un principe un peu particulier, c'est qu'on est une coopérative, c'est-à-dire qu'en fait, on fonctionne sur un principe d'une personne physique ou morale égale une voix en assemblée générale. Voilà. Donc ça, c'est le principe et le fonctionnement de RICOP. Et ça nous semblait particulièrement important d'avoir cette approche-là pour plusieurs raisons, et on va y revenir, mais notamment pour créer les conditions de cette intelligence collective au service du développement du ferroviaire, puisque, vous le savez, le ferroviaire est un domaine complexe. Il ne s'agit pas simplement de connecter des territoires pour aller d'un point A à un point B. Il y a beaucoup d'autres choses que peut générer le ferroviaire et le transport ferroviaire sur les territoires en termes de services, en termes de non-mobilité aussi, j'aime à le dire, parce qu'effectivement, le train a une capacité d'emport qui permet aussi d'emmener des biens et des services dans des territoires ruraux notamment, et donc d'éviter certaines mobilités. Donc voilà, il y a toute cette réflexion. Et ça nous semblait important de pouvoir associer finalement toutes ces parties prenantes, que ce soit les collectivités locales, les associations des territoires, les entreprises des territoires, les citoyens et les salariés, puisque les salariés de RICOP et demain les cheminots, s'ils le souhaitent, pourront rejoindre le sociétariat et autres et être représentés dans la gouvernance de RICOP. Voilà, d'associer l'ensemble de ces parties prenantes dans la gouvernance de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on a 5 collèges de sociétaires. Hein. On a donc, comme je disais, les salariés, les collectivités locales, les personnes physiques. Aujourd'hui, on a une majorité de personnes physiques dans nos 8500 sociétaires. On a 2 collèges de personnes morales, les partenaires techniques et financiers et les bénéficiaires personnes morales, qui sont des acteurs des associations, par exemple l'Association française de défense des voies vertes et des véloroutes, pardon, des associations de défense de ligne. On a des grosses entreprises qui nous ont rejoint aussi, qui sont des entreprises, notamment je pense à une grosse entreprise qui est dans les travaux ferroviaires, qui nous aide et qui met à disposition son expertise pour aborder certains sujets ferroviaires, et donc ils sont devenus sociétaires dans cette idée de construire ensemble finalement ce nouvel opérateur. Donc chacun de ces collèges a 20% des voix en assemblée générale. Donc voilà, c'est une personne, une voix dans son collège, et ensuite c'est pondéré par les voix, chaque collège ayant 20% des voix en assemblée générale. Donc aujourd'hui, des sociétaires, on en a un peu partout en France et partout dans le monde, puisqu'on a plus de 22 pays représentés. Et quand je vous parlais d'intelligence collective, c'est pas un vain mot, c'est-à-dire qu'il s'agit pas simplement pour les sociétaires un moment de prendre une part sociale et puis de voter une fois en assemblée générale, une fois par an en assemblée générale. Non, les sociétaires qui le souhaitent peuvent s'engager dans des cercles de réflexion et contribuer concrètement à la vie de la coopérative et à les définitions de sa stratégie. Aujourd'hui, on a 12 cercles de réflexion qui sont constitués. On a des cercles territoriaux, un à Bordeaux, un à Lyon, d'autres sont en création, à Limoges notamment, en Ile-de-France. Et puis, on a des cercles thématiques, par exemple le cercle gouvernance qui a travaillé justement sur la rédaction d'un règlement intérieur et qui a revu aussi les statuts, ce que je disais tout à l'heure sur le plafonnement des rémunérations, etc. Tout cela a été proposé par les sociétaires dans le cadre du cercle gouvernance et a été proposé à l'Assemblée générale. Et puis, on a des cercles plutôt liés au
Au ferroviaire, par exemple, on a, vous l'avez peut-être suivi, en fait, on a notifié des nouvelles lignes à l'autorité de régulation des transports la semaine dernière pour le service annuel 2023. Ces lignes ont été construites par le cercle de sociétaires service qui s'appelle service annuel 2023. Voilà, où un certain nombre de critères ont été étudiés pour identifier des lignes que nous pourrons développer demain. Voilà, il y a un cercle aussi sur l'aménagement en gare et les services à bord des trains. Et donc, ce cercle-là, par exemple, est engagé dans l'aménagement actuel de nos gares, puisqu'on a contractualisé avec Gare et Connexion sur l'ensemble des gares le long de notre première liaison qui va de Bordeaux à Lyon. Et aujourd'hui, bah, très concrètement, on a contractualisé également avec un bureau d'architecture et de design qui nous aide qui va concevoir l'aménagement de nos gares, mais il va pas le faire hors sol, si je puis dire. Il va travailler avec les sociétaires qui se sont engagés dans ce cercle de réflexion, notamment sur l'aménagement des gares. Donc voilà, donc les sociétaires ont vraiment, s'ils le souhaitent, un rôle actif à jouer. S'ils le souhaitent, encore une fois, bien évidemment, chacun fait en fonction de son temps et de ses disponibilités. Et donc, aujourd'hui, on a environ 10% de nos sociétaires qui sont actifs dans la coopérative sur divers sujets, comme je viens de le dire, sur des sujets aussi liés au numérique, etc. Enfin, voilà, il y a vraiment une diversité de sujets. Alors, pourquoi RICOP s'est créé maintenant? C'est vrai que RICOP s'est créé en fait pour répondre à plusieurs sujets en fait. C'est vrai qu'on n'aurait pas pu se créer il y a encore quelques années puisque on a pu se créer en tant qu'entreprise ferroviaire puisqu'il y a cette ouverture totale à la concurrence depuis le mois de décembre dernier. On s'est créé aussi parce qu'on répond à une opportunité de marché. Aujourd'hui, on le voit on le voit de plus en plus, même si les chiffres qui sont affichés là date d'avant la crise Covid, mais ça ne vous aura pas échappé qu'il y a eu des annonces gouvernementales sur le fait de réduire les liaisons intérieures par avion au bénéfice du train. Donc on s'inscrit vraiment dans cette logique de renouveau du train, à la fois pour des raisons écologiques et puis également on s'est rendu compte, ça encore une fois, ce sont des chiffres d'avant crise Covid, mais que globalement, les prévisions indiquaient que d'ici 2050, il y aurait une augmentation importante des volumes de trafic et notamment du trafic routier. Et globalement, on s'inscrit aussi dans une dynamique qui est celle de vouloir, en fait, pour beaucoup de citoyens, de s'engager, en fait, et de consommer différemment. Donc, là, on a cité un certain nombre d'exemples. RICOP fait partie aussi du mouvement des licornes, ce mouvement donc qui fédère, justement, la plupart de ces acteurs, là, Cities, Enercop, la Nef, Mobicop, qui sont effectivement des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des acteurs coopératifs, et donc, on s'inscrit complètement dans cette dynamique-là. Donc notre positionnement de marché, il est très clair. Il est effectivement de venir renforcer le maillage ferroviaire existant en venant compléter l'offre existante. Donc il ne s'agit pas de venir en concurrence avec la SNCF ou d'autres opérateurs qui desservent déjà bien certaines liaisons. On ne va pas aller sur des radiales Paris-Province, on ne va pas aller sur la grande vitesse, ça n'aurait aucun sens. Il y en a d'autres qui y vont et c'est très bien. On est plutôt dans une logique de créer de nouveaux services, imaginer effectivement des nouvelles liaisons. Des nouvelles liaisons, soit des liaisons qui ont existé et qui n'existent plus. C'est le cas de la liaison Bordeaux-Lyon, hein, la première liaison passager qu'on va lancer l'année prochaine. Elle a existé jusqu'en 2014 et depuis 2014, elle n'existe plus de bout en bout. On ne peut plus aller de Bordeaux à Lyon en direct par le train. On est obligé de changer, de passer par Paris. Voilà. Donc, on est vraiment sur un positionnement qui vise à venir compléter l'offre existante. Et on est sur un positionnement, alors pour... c'est peut-être un peu technique, mais on est sur ce qu'on appelle du service librement organisé. L'ouverture à la concurrence a entraîné deux choses. C'est qu'en fait, aujourd'hui, schématiquement, vous avez un marché où vous avez les délégations de services publics ou les trains d'équilibre des territoires. Donc, c'est en gros le service subventionné, les TER, les trains d'équilibre des territoires qui sont financés par l'État. Et puis, de l'autre, vous avez le service librement organisé au sens large où finalement, n'importe quel opérateur peut opérer des services. Aujourd'hui, nous, on se positionne sur ce service librement organisé, mais dans cette particularité de marché où finalement, sur ce service librement organisé, aujourd'hui, on constate que la plupart des gros opérateurs se positionnent sur des marchés de masse. Là où il y a de la masse, c'est des volumes, c'est la liaison en TGV Paris-Lyon, etc. C'est différentes liaisons en TGV. Nous, on veut pas aller sur ce marché-là. On veut aller vraiment sur du service librement organisé interrégional. Donc du transport de voyageurs et de marchandises aussi, je vais y revenir puisqu'on va lancer notre premier service en fin d'année donc sur du transport de marchandises entre Figeac et Toulouse. Voilà.
Donc ça, c'est notre positionnement de marché, mais je répondrai bien volontiers à vos questions, s'il y en a, dans le chat. Donc aujourd'hui, où nous en sommes? Donc aujourd'hui, nous avons levé les fonds nécessaires pour obtenir notre capital social. Donc on a dépassé d'ailleurs le 1,5 million qui était requis. On est aujourd'hui à environ 2,5 millions de capital social levé. Voilà. On va mettre en place notre premier service à la fin de cette année, donc entre Viviers de Casville, Cap de Nac et Toulouse-Saint-Jory, comme je disais. Et donc, on va lancer ensuite notre premier service voyageur l'année prochaine, 2022, juin 2022, sur la liaison Bordeaux-Lyon. 2023, d'autres lignes vont être opérées et en fonction de la montée en puissance aussi de ces services et surtout de la disponibilité du matériel roulant, mais je pourrais revenir sur cette question-là. Puis 2024, on envisage d'autres dessertes. Pour information aussi, on est en train de réfléchir sur cette question des dessertes plus locales, les dessertes plus fines du territoire, et donc notamment en travaillant actuellement sur un territoire qui est le territoire du Livradois-Forez, qui est situé en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un territoire très rural, et sur lequel on est en train de travailler à la conception d'un modèle économique pour justement développer un service ferroviaire sur un territoire très peu dense. Aujourd'hui, le syndicat du Livradois-Forez est propriétaire de son infrastructure ferroviaire. Ils ont des trains qui circulent, mais très peu, et ils nous ont demandé, en fait, ils sont devenus sociétaires de Railcop dans cette idée d'utiliser Railcop comme une boîte à outils au service de leur développement ferroviaire, du développement ferroviaire sur leur territoire, mais on est en train de travailler sur le modèle économique qu'on peut trouver sur ce type de desserte, donc on envisage de lancer plutôt à partir de 2024. Voilà, alors je ne sais pas si c'est très visible, mais ça, on voulait reprendre nos échéances principales. Donc aujourd'hui, pour vous dire où nous en sommes, donc on a commandé nos sillons de circulation. Alors, commander des sillons, ça veut dire qu'en fait, on a réservé, si vous voulez, les créneaux de circulation sur la liaison Bordeaux-Lyon. Donc ça, ça a été un gros travail de conception de nos sillons avec SNCF Réseau, avec qui on travaille très bien, et les deux régions, donc partenaires, hein, qui vont être traversés, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. On a travaillé sur la conception de ces sillons. Ils ont été inscrits au catalogue de sillons de SNCF Réseau et donc nous les avons commandés au mois d'avril. On confirmera la commande au mois d'octobre, mais voilà, on sait déjà à quelle heure vont partir nos trains, etc. Donc ça a été inscrit au catalogue. On travaille actuellement sur la contractualisation sur nos rames également, voilà nos rames voyageurs, puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes a accepté de nous céder 9 rames X72-500, donc ce sont des anciens TER qu'on va réhabiliter, donc on est accompagné pour ça aussi par Sistra qui nous accompagne sur la rédaction du cahier des charges pour la rénovation de ces rames. On va lancer d'ailleurs la rénovation de ces rames. Donc, dès qu'on aura finalisé l'acquisition, là, on est en phase contractuelle, on a le contrat entre les mains, c'est entre les mains des juristes, plus exactement. On est aussi là en phase d'aménagement des gares, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on a contractualisé avec Gare et Connexion sur nos espaces en gare. Et donc, maintenant, on est en train de travailler concrètement à l'aménagement de nos espaces en gare. Parallèlement à ça, sur le fret, on est en train de travailler avec un certain nombre de chargeurs pour concevoir notre offre. On va lancer les recrutements donc des conducteurs d'ici l'été. Là, on aurait déjà dû les lancer début juin, mais ça a été un tout petit peu retardé. Ça va être fait prochainement. Voilà. Et donc, on est... Bon, je pourrais revenir sur ces différentes échéances. Voilà. Donc, on va déposer le certificat de sécurité, c'est ce que j'ai dit. Également, le dossier de licence. On avance sur les différents sujets, mais sur lesquels je pourrais revenir le cas échéant. Je passe un peu vite parce que je pense que c'est pas très, très lisible. Donc, sur le fret, pour vous dire où nous en sommes, donc, nous, notre idée, c'est vraiment de lancer un premier service fret à la fin de cette année, donc entre Figeac et Toulouse, comme je disais schématiquement, donc j'ai la carte qui est là, voilà, Viviers de Casville, Cap de Nac et Toulouse-Saint-Jory. Notre positionnement de marché, c'est vraiment encore une fois de venir compléter le maillage existant. Compléter le maillage existant, effectivement, ça veut dire venir abonder en fait des grands corridors fret qui existent. Donc on travaille d'ailleurs avec Fret SNCF hein, sur le sujet. Et l'idée, c'est de créer vraiment des plateformes de proximité pour connecter, pas pour connecter des installations branchées, parce qu'aujourd'hui, dans le fret ferroviaire, c'est essentiellement ça, ce sont essentiellement des installations branchées, c'est-à-dire
des entrepôts sur lesquels les voies ferrées arrivent directement sur site. Donc, l'idée, c'est plutôt d'aller capter des flux, des plus petits flux qui sont aujourd'hui transportés par la route, de les mutualiser et de proposer des dessertes régulières, quotidiennes, donc en fret ferroviaire, à la fois pour diminuer les coûts et puis pour augmenter la fiabilité de la livraison en fret ferroviaire, puisque jusqu'ici, en fait, pour vous dire globalement, si vous souhaitiez transporter des marchandises par le train, en général, il faut plutôt attendre que le train soit complet. Donc, des fois, il y a des incertitudes aussi sur les délais de livraison, etc. Donc, nous, on prend le pari, effectivement, de connecter ces territoires sur des territoires de proximité, on va dire des territoires plutôt ruraux, sur lesquels il y a beaucoup d'emplois industriels. En France, il y a près de 48% de l'emploi industriel qui est situé dans les territoires ruraux. Donc, de connecter ces territoires ruraux vers des principaux corridors fret avec ces dessertes régulières qu'on propose. Donc ça, on a commandé, c'est pareil, hein, on a passé la commande de nos sillons sur ces dessertes-là, donc on devrait lancer le service le 15 novembre de cette année. Donc l'offre voyageurs de jour également, donc notre positionnement, c'est vraiment sur ce que je disais tout à l'heure, hein, sur des trains classiques, on ne va pas sur la grande vitesse, des trains classiques interrégionaux, province-province, pour proposer une alternative au trafic routier. Et on travaille sur l'articulation avec d'autres services, c'est ce que fait par exemple le cercle train et vélo au sein de Rycop, on construit des offres en lien avec les territoires, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, par exemple sur des notions de restauration à bord des trains qui vont s'appuyer, la restauration à bord des trains Rycop va s'appuyer sur des partenariats avec des restaurateurs le long de la ligne. Donc, c'est tout ce qu'on est en train de mettre en place et plus globalement, voilà, travailler vraiment ce rapport au territoire. Donc là, voilà nos premières lignes. Donc, ça, ce sont les lignes que nous avons notifiées à l'ART l'année dernière. Donc, la première ligne que nous allons lancer cette année, l'année prochaine, hein, entre Bordeaux et Lyon sur le voyageur, donc, est schématisé en rouge sur la carte. Et puis, nous avons deux autres lignes qui ont été notifiées à l'ART, donc la ligne Thionville-Lyon et la ligne Toulouse-Rennes, sachant que dans la notification que nous avons faite la semaine dernière suite aux travaux des sociétaires, on a prolongé ces deux lignes-là. Thionville, en fait, va aller jusqu'à. Il y a une branche qui va aller jusqu'à Saint-Étienne et l'autre jusqu'à Chambéry. Et Rennes, va continuer. En fait, il y a une branche qui va continuer jusqu'à Saint-Brieuc, donc pour faire un Toulouse-Saint-Brieuc, et une branche qui va partir du Mans pour aller à Caen. Voilà. Donc, ces lignes vont être un tout petit peu corrigées suite à la notification que nous avons faite à l'ART la semaine dernière. Alors, bon, l'offre voyageurs de nuit, c'est aussi une ambition que nous avons, mais pour être tout à fait clair, aujourd'hui, il y a un problème de disponibilité du matériel ferroviaire, mais on a des sociétaires qui y travaillent, et donc ça fera l'objet d'une réflexion ultérieure, même si sur la desserte Bordeaux-Lyon, on avait envisagé d'avoir une liaison de nuit. Ça n'a pas été possible pour des questions de disponibilité du réseau, c'est-à-dire que SNCF Réseau nous a informé que, d'une part, il y avait des travaux sur le réseau la nuit, et d'autre part, donc les postes étaient fermés, et donc c'était compliqué d'ouvrir ça, mais on a bon espoir de pouvoir réactiver ça dans les prochaines années. Sachant que le ferroviaire, vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui se pense sur le temps long. Voilà, donc on est vraiment dans cette réflexion de créer des nouveaux services et des nouveaux marchés en réfléchissant avec tous les acteurs qui sont parties prenantes des territoires et de la coopérative. Donc aujourd'hui, on a ce projet sur le Livradois-Forez que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui est cofinancé par l'ADEME. Donc c'est un triple financement, le Livradois, le syndicat ferroviaire du Livradois-Forez, l'ADEME et Rycop. Et donc on travaille justement sur cette desserte quotidienne, en fait, l'utilisation quotidienne du train pour ces territoires ruraux. Territoire en particulier. On a fait un partenariat, on a des étudiants de Centrale Supélec qui ont travaillé sur un nouveau type de wagon fret pour justement pouvoir connecter certaines infrastructures certaines gares sur lesquelles il n'y avait pas toute l'infrastructure nécessaire à la prise en charge du fret, donc avec une innovation sur les modes de wagon, en fait, sur les types de wagons. On a un cercle qui réfléchit sur les nouveaux outils numériques. On a mis en place des actions aussi de réflexion avec dans le cadre d'un programme qui s'appelle Alteraction sur la question du développement territorial autour de la ville de Ghana et de la gare de Ghana en lien avec la remise en fonction de la liaison Bordeaux-Lyon. Et puis, on travaille actuellement aussi dans ce cadre-là sur le train et le handicap et comment on aborde la question de l'accessibilité à bord des trains. Donc, on est vraiment dans cette logique de réflexion et de boîte à outils aussi pour les territoires, pour penser la mobilité ferroviaire au service des territoires. Aujourd'hui, on est 17 personnes au sein
de l'équipe opérationnelle de RICOP. On a un conseil d'administration de 15 personnes dont les profils sont assez divers. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Notre président est Dominique Guéret. Il est ancien fondateur et dirigeant d'une coopérative. Il a été trésorier de l'Union régionale des SCOP d'Auvergne et il a été cofondateur donc d'une société coopérative d'intérêt collectif, c'est les Watt dans le domaine de l'énergie. Voilà. Le directeur général, donc Nicolas, mais je vois qu'il se connecte pas, donc je pense qu'il a dû avoir un problème. M'en excuse. Donc, qui est donc le directeur général, ingénieur mines télécom. Il a travaillé longtemps au ministère de la Transition écologique. Il a été expert national détaché auprès de la Commission européenne, à l'Union pour la Méditerranée, notamment où il a travaillé sur les questions climatiques. Il a été conseil du gouvernement serbe sur les enjeux de changement climatique. Et donc, ça, c'est vraiment, voilà, c'est ce sujet qui lui tient à cœur. Moi, donc, Alexandra, je suis directrice générale déléguée, donc j'ai fait Sciences Po. Et j'ai créé, dirigé pendant 15 ans un cabinet de conseil en financement européen, donc où j'ai accompagné beaucoup de porteurs de projets dans le financement et l'émergence de projets complexes. Notre directeur de la sécurité, donc, est Jérémy Ogui, ancien directeur adjoint de la sécurité chez CFL Cargo, voilà, et ancien inspecteur de l'établissement public de sécurité ferroviaire, donc le PSF, qui va nous délivrer notre certificat de sécurité. Voilà, et au sein du pôle sécurité, on a plusieurs autres personnes qui ont des profils très haut niveau également. Hein. On a Julien Legros et Michael Laplantine qui, l'un et l'autre, viennent de la SNCF, l'un de l'EPSF également, il a été également inspecteur de l'EPSF. Michael Laplantine a également piloté tout ce qui était matériel roulant, traction, et au centre des essais ferroviaires de la SNCF. Voilà, donc on a une équipe de 17 personnes au jour d'aujourd'hui. On a des prestataires aussi qui nous accompagnent. J'évoquais Sistra, je peux évoquer Félix et Associés qui nous accompagnent sur les gares. On a des prestataires freelance qui nous accompagnent sur différents volets, la communication, les relations institutionnelles, on a Boostar également. Et puis aujourd'hui, on a aussi la communauté de sociétaires qui est une vraie communauté active de compétences aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Les sociétaires il y en a beaucoup qui s'engagent et qui nous aident à développer ce projet et à porter ce projet sur beaucoup de sujets. Voilà, je m'arrête là pour le moment, puis je vais répondre à vos questions. Voilà. Il y en a, en plus, il y en a beaucoup. Merci beaucoup, ouais. Alexandra. C'était très exhaustif, mais pour un secteur et une activité telle que propose RICOP, je pense que c'était nécessaire. On a beaucoup de questions, beaucoup de participants et des participants qui viennent de tout le territoire. On a fait un peu le tour de la France avec toutes les personnes qui sont avec nous. Si tu veux, avant de prendre les questions, je voudrais rappeler pourquoi on collabore, l'ITA et RICOP, et aussi pourquoi chez l'ITA, on encourage en tout cas l'investissement dans RICOP. Donc pour commencer, peut-être vous dire qu'on lève avec RICOP aujourd'hui entre 200 000 et 1 million d'euros. Donc on a déjà atteint quasiment le seuil minimum. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis pour les raisons pour investir, pourquoi en tout cas chez l'ITA on a sélectionné le projet et on vous encourage en tout cas à y prendre part. C'est tout d'abord par rapport à l'équipe qui est complémentaire, regroupant des anciens de l'administration publique et de l'ESPF, expérimentés, experts dans le secteur. Donc vraiment, il y a du métier. C'est aussi le statut de SCI, enfin de SCIC, et qui regroupe déjà plus de 8200 sociétaires en moins de 2 ans. Donc ça, c'est, je pense que c'est une vraie prouesse qui montre un engouement sur ces questions-là, en tout cas, et qui permet en tout cas à RICOP de développer une intelligence collective qui peut rassembler des cheminots, des usagers, des entreprises, des collectivités locales, et qui peut du coup permettre l'émergence de solutions ferroviaires innovantes et adaptées au territoire. Le point important aussi, c'est l'impact socio-économique l'activité en tout cas favorise les dessertes de territoires délaissés et la mission de RICOP est génératrice de développement économique de ces territoires et donc de création d'emplois indirects. Et le dernier point qui est aussi important, c'est l'impact environnemental qui est considérable en permettant de renforcer la part du train dans les transports en France au détriment notamment de la voiture et de l'aérien. Pour laisser rapidement la parole à tous les participants, du coup on va enchaîner si c'est bon pour toi, Alexandra.
on va prendre la première question et je vais en attendant essayer d'inviter les premiers participants à poser leurs questions. Du coup, pour la première question, si c'est bon pour toi, on va prendre la question de Célia. Comment avez-vous choisi la première ligne de voyageurs et quand est-elle prévue? Quels services seront proposés aux voyageurs à bord? Oui, alors la première ligne de voyageurs Bordeaux-Lyon, je vois. J'affiche la question. Ah d'accord, ok, super. donc la première ligne de voyageurs, en fait, elle a été choisie initialement. On a fait une analyse en interne. Au départ, on était 12 hein, dans la coopérative. Donc on a commencé en début 2019 à penser, à imaginer les liaisons. Et celle-ci, on l'a choisie pourquoi? Parce qu'on a étudié plusieurs choses. On a étudié, alors ça date d'avant Covid et c'est pour ça qu'on a fait une étude complémentaire. Mais à l'époque, donc on a étudié les flux aériens. Entre les principales villes françaises. Et donc, on a vu qu'entre Bordeaux et Lyon, il y avait beaucoup de connexions aériennes. Premier élément. Deuxième élément, effectivement, on a étudié les prévisions de croissance démographique. Donc, effectivement, les régions Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes sont des régions qui sont effectivement très très en dynamique démographique positive. Et puis, corrélativement, en fait, les augmentations de demandes de mobilité. Donc, ça, c'était des études qui avaient été réalisées par le ministère des Transports, notamment. Donc, on a combiné l'ensemble de ces éléments-là et donc, on est arrivé au constat que cette liaison Bordeaux-Lyon était une liaison essentielle à réactiver. C'est comme ça, effectivement, qu'on s'est arrêté sur cette première liaison Bordeaux-Lyon. Et donc, comme je vous disais, ça, on l'a fait parce que le ferroviaire, c'est une industrie de temps long. On l'a fait donc dès le début de RICOP, hein, dès 2019, on avait analysé ça. On a fait conduire une étude complémentaire sur le potentiel de marché par Sistra début 2020. Donc voilà, et donc ils nous ont livré une étude complémentaire. Et entre-temps est arrivée la crise Covid. Donc là, actuellement, on a une nouvelle étude qu'on a demandée à Sistra, un peu plus fournie, avec notamment Orange Business Services et Nova7, qui étudie notamment les traces GPS, etc., pour voir le potentiel de marché. Les premières conclusions de l'étude montrent qu'il y a un vrai potentiel de marché sur cette ligne-là. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, ceux qui ont pu lire le rapport sur les trains d'équipe des territoires qui a été proposé par le ministère des Transports récemment, vous verrez donc que la liaison Bordeaux-Lyon n'est pas dans le rapport TET. Mais néanmoins, en fait, les prévisions de trafic proposées, indiquées par le ministère, sont supérieures aux prévisions de trafic que nous-mêmes nous avions identifiées comme nécessaire à atteindre l'équilibre économique. Donc voilà. Je réponds à l'autre question, aux autres questions sur les services à bord. Alors, le quand est-elle prévue? Donc, elle est prévue en juin de l'année prochaine. Hein, elle va être lancée en juin de l'année prochaine. Et quels services seront proposés aux voyageurs à bord? Alors, il y a plusieurs choses qu'on a proposées. On a proposé avec les sociétaires aussi. Hein, je tiens à le dire, c'est vraiment les sociétaires aussi qui travaillent sur cette question des services à bord. Donc, on s'est dit que pour prendre des parts de marché à la route, il fallait effectivement proposer un certain nombre de services. Et sur un temps qui est relativement long aussi, hein, parce que c'est vrai que c'est pas de la grande vitesse. Donc, et notre enjeu, c'est surtout de connecter les territoires intermédiaires aux métropoles régionales. Mais donc, on a un service à bord. On a donc un wagon fourgon qui va permettre effectivement l'emport de bagages volumineux, des vélos un peu atypiques, voilà, donc on est sur ce type d'espace. On a un espace enfant qui va permettre aussi aux enfants de dégourdir les jambes. En fait, c'est pas un espace, c'est pas des carrés famille où vous êtes assis, mais c'est vraiment un espace où les enfants pourront jouer par terre, enfin voilà, s'amuser, gambader. On a prévu effectivement également dans l'aménagement des trains des espaces à faire, enfin des places isolées en fait, pour que les gens puissent travailler de manière isolée, travailler, téléphoner de manière isolée de bout en bout. Donc il y a quelques places prévues dans l'aménagement de nos trains, voilà, pour plutôt la clientèle à faire qui souhaiterait vraiment utiliser ce temps comme un temps de travail, voilà. Bon, et puis il y a d'autres offres de services à bord. Par exemple, nos sociétaires nous ont fait remonter la nécessité d'avoir par exemple un espace pour les petits animaux, en fait, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui aujourd'hui ne prennent pas le train parce qu'elles sont angoissées à l'idée de prendre le train. Enfin, on pense souvent aux animaux, les chiens d'aveugle par exemple, pour
aider des gens qui ont un handicap. Mais là, c'est plutôt des gens qui sont angoissés à l'idée de prendre le train, des personnes âgées ou pas seulement, hein, n'importe qui. Mais et voilà, et donc leur permettre d'être accompagnés par un petit animal et donc avoir un espace aussi où l'animal pourra avoir un peu d'eau, un peu de croquettes, et des choses comme ça. Donc c'est des choses comme ça qui ont été remontées par les sociétaires pour vraiment répondre aussi aux attentes des gens qui souhaitent prendre le train demain. Voilà, donc c'est pour répondre à cette première question. C'est une nouvelle fois très complet et en plus, entre-temps, on accueille Yves qui est parmi nous. Bonjour Yves. Bonjour. On ne vous entend pas, il faudra débloquer votre micro. Alors, on va voir si j'y arrive. Voilà, c'est bon. C'est bon. J'ai vu que vous aviez posé plusieurs questions, donc si vous voulez, c'est parti. Voilà, j'en ai posé deux de nature complètement différente. Il y en a une première, c'est quels sont les défis des prochains mois? Ça veut dire quels sont les éléments de fragilité, quelles sont les angoisses que vous avez donc par rapport au développement de ce projet. Et puis, une deuxième, puisque Alexandra, vous avez indiqué que vous étiez une spécialiste des financements européens. Donc, moi-même, j'interviens dans ce cadre-là et dans le développement territorial. Et donc, je voudrais savoir où est l'Europe là-dedans. Je sais qu'elle a financé au point de départ donc un certain nombre d'études de faisabilité. Mais voilà, ça m'intéresse de savoir comment vous vous situez à la fois en termes de législation et en termes de financement là-dessus. Alors, la question, effectivement, Notre angoisse, en tout cas notre source de préoccupation, c'est la question du bouclage du financement du matériel roulant. On a le matériel roulant, on a la contractualisation, on a des banques qui sont prêtes à nous suivre, on a un pool bancaire qui est derrière nous. Mais aujourd'hui, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut alléger un maximum le risque pour eux. Parce qu'on est une start-up du ferroviaire, on n'a jamais fait rouler de train, donc ils nous disent « Ok, vous êtes… » sur des sommes, on peut vous suivre, mais il s'agit d'alléger le risque. Alors, alléger le risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit trouver une garantie sur les emprunts, une garantie publique. Donc, aujourd'hui, on y travaille avec la Banque des Territoires, avec un certain nombre d'acteurs publics. On a mobilisé les acteurs publics sur ce sujet-là, sur la question de la garantie de l'emprunt. Ou alors, alléger le risque par une augmentation du ratio entre la dette et l'equity. C'est-à-dire augmenter nos fonds propres ou nos quasi-fonds propres. Donc, la levée de fonds LITA s'inscrit dans ce cadre-là. Donc, voilà, plus on arrivera à renforcer nos fonds propres, en fait, et finalement, plus facilement, on arrivera à boucler rapidement ce tour de table financier. Donc, on y travaille là actuellement, on y travaille vraiment d'arrache-pied. On a toutes les semaines des réunions avec nos banques. On challenge le business plan dans tous les sens. On a des réunions avec plein d'acteurs institutionnels pour nous aider à lever cette garantie publique sur les emprunts, mais voilà, aujourd'hui, ça c'est un sujet pour nous, c'est de réussir à boucler ce plan de financement pour passer la commande rapidement de notre matériel roulant. Je vous dis, on a le contrat entre les mains, mais une fois qu'il sera signé, il va falloir qu'on débourse et il va falloir qu'on lance la rénovation du matériel roulant. Et si on veut tenir le timing de juin 2022, il faut que tout ça se fasse au plus tard en septembre. Donc voilà, on est bien avancé, mais néanmoins, voilà, ça reste un sujet sur lequel on travaille vraiment d'arrache-pied. Le sujet de l'Europe, alors aujourd'hui, l'Europe, en fait, alors il y a plusieurs sujets. Sur la question du financement, on a été en lien avec la Banque européenne d'investissement. Donc, on continue les discussions. Bon, au premier élément de discussion, ils nous disaient qu'ils ne voulaient pas forcément intervenir sur du matériel d'occasion. Et pour être tout à fait clair, alors je vois aussi que dans le chat, il y avait une question sur ce matériel X72-500 et j'y reviendrai parce que je sais que c'est un sujet, la question de la fiabilité de ce matériel. Ce matériel n'a pas une très bonne réputation et on le sait. En fait. Mais on a mis en place un certain nombre de mesures correctives en fait, qu'on a identifiées pour améliorer sa fiabilité. Et pour vous dire, dans les 9 rames dont on va passer commande à la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y en a une qu'on garde justement pour pièce. Donc, il y en a 8, voilà, plus une pour pièce. Et on a identifié un certain nombre de leviers pour augmenter la fiabilité, notamment enfin, des choses très techniques sur de la petite maintenance préventive que nous pourrions faire, etc. Donc ça, voilà. Mais pour vous dire, c'est du matériel effectivement ancien. C'est le seul matériel qui est aujourd'hui disponible pour nous permettre de rouler dès juin 2022 sur le réseau et de réouvrir la liaison. Sinon, si on était parti sur du matériel neuf avec des motorisations plus propres, etc., ce qu'on aurait voulu initialement, il aurait fallu attendre 2024. Donc, pour lancer le service en juin 2022, on n'a pas le choix, on doit utiliser ce matériel. Et donc, l'Europe, je ne perds pas le fil de la question, l'Europe, effectivement, proposait de financer du matériel avec une motorisation plus propre. Donc là, ils seront a priori pas forcément là, en tout cas la Banque européenne d'investissement. Par contre, le Fonds européen d'investissement, lui, est prêt à garantir une partie des prêts. Donc là, on devrait avoir une garantie du FEI sur une partie des prêts.
Au niveau européen, pour répondre aussi complètement à votre question, on est, nous, impliqués à différents échelons au niveau européen, enfin, dans différentes dynamiques. On est impliqués au niveau européen dans le cadre de l'association qui s'appelle AllRail, qui est une association qui défend les intérêts des nouveaux entrants sur le marché ferroviaire, et donc avec qui on travaille justement sur des enjeux plutôt réglementaires et d'application réglementaire et d'entrée de nouveaux entrants sur le marché ferroviaire. Puis également, on fait partie d'une initiative européenne qui s'appelle le European Startup Prize for Mobility, où on est dans un collectif d'entreprises, donc avec la RATP, avec d'autres entreprises européennes ou d'autres associations européennes, sur cette question de comment faire pour augmenter la part modale du ferroviaire au niveau européen. Donc on a rédigé un manifeste sur le sujet avec d'autres entreprises sur un certain nombre d'actions qui devraient être menées. Donc on va présenter ça à la Commission européenne à l'été, là au mois de juillet, le 13 juillet. Voilà un petit peu pour vous dire les différentes actions qu'on mène aussi au niveau européen. Plus, voilà. On vous entend pas. Le micro est recoupé, Yves. Oui, merci beaucoup pour ces clarifications. Comme il y a un tas d'autres questions, je ne vais pas en poser d'autres, mais j'aurais plaisir à vous encourager. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée à vous. Du coup, on va prendre la prochaine question, si c'est bon pour toi, Alexandra. On va prendre la question qu'un invité nous a posée avec Romain. J'aimerais savoir si l'entreprise envisage de faire des bénéfices ou simplement d'équilibrer ses coûts. Si bénéfice il y a, une rémunération des investisseurs est-elle prévue? Et dans ce cas, quelles sont les prévisions en la matière? Alors, la question, alors si l'entreprise envisage de faire des bénéfices, dans notre plan de financement sur la liaison Bordeaux-Lyon, on a un petit bénéfice effectivement qui est envisagé. Mais en fait, le modèle de société coopérative d'intérêt collectif, c'est justement de réinvestir la majorité de ses bénéfices, comme je disais tout à l'heure en introduction, pour renforcer le ferroviaire. Donc, c'est pas pour rémunérer les parts sociales. Donc, les parts sociales seront probablement très, enfin pas probablement, très faiblement rémunéré, puisque la rémunération, je rappelle, les bénéfices, 57,5% des bénéfices doivent être gardés dans les réserves impartageables de la société, et le reste, donc les 42,5% restants, ne peuvent être distribués, alors sous réserve de la validation de l'Assemblée Générale des Sociétaires. Donc, ce sont les sociétaires qui décident de la redistribution éventuelle ou pas, mais de toute façon, effectivement, on est plafonné en termes de rémunération au taux moyen des obligations augmenté 2%. Donc, en fait, la rémunération sur la part sociale sera assez faible. Voilà, je vois que la question s'affiche. Donc, voilà. Je pense que tu as répondu. J'ai répondu. Hein. Ouais, c'est de revalorisation prévue, ce n'est pas forcément dans la logique coopérative et dans le financement, on rémunère très peu le capital. Pour la prochaine question, j'ai invité Juliette, donc je vais passer les questions de Juliette. La question de Alexandre, quels sont vos conducteurs, ou alors qui sont vos conducteurs, leur formation, avez-vous déjà ouvert le recrutement sur ce poste? Oui, alors aujourd'hui on a eu beaucoup de candidatures spontanées de conducteurs. On a alors sur le fret, on lance les recrutements là. Julien est en train d'élaborer les fiches de poste, donc on va lancer le recrutement dans les toutes prochaines semaines. Si ça vous intéresse, suivez l'actualité sur notre site parce que c'est imminent. On va lancer les recrutements des conducteurs fret. Sur le voyageur, on lancera les recrutements un peu plus tard dans l'année pour le lancement du service, donc en juin 2022. Il y aura des formations complémentaires qui seront proposées. Mais c'est vrai qu'on part plutôt du principe qu'on recrute des conducteurs qui ont déjà au moins une base de formation. Après, il y a des formations de ligne, etc. Mais qui ont déjà un minimum de compétences. Voilà. Donc, les recrutements vont être lancés là pour le fret et en fin d'année, enfin à l'automne, pour le voyageur. On va prendre les questions de Juliette, du coup, puisque je pense qu'elle ne pourra pas monter sur scène. Mais je pense que tu as déjà un peu répondu sur ta présentation. C'est la question de Juliette, c'est est-ce que vous avez déjà le matériel fret et le matériel voyageur? Et sa troisième question, c'est contractualisation également avec la SNCF pour la maintenance. Est-ce que vous avez un accord là-dessus? Ouais. Alors sur le matériel fret, en fait aujourd'hui on va louer des wagons et des locomotives à des loueurs. Le marché fret est ouvert depuis longtemps, donc il y a un marché du matériel roulant. Donc là
on discute avec les loueurs, mais on est sur en phase de signer les contrats de location donc pour lancer le service le 15 novembre prochain, comme je le disais. Par contre, effectivement, le gros sujet pour nous, c'est pas tellement sur le matériel pour le fret, ça marche, mais c'est la question du matériel pour le voyageur. Ça a été un gros sujet. Là, on y arrive quand même. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a trouvé du matériel qui nous permette d'opérer notre service, puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes nous cède ce matériel, CX72-500. Donc, c'est du matériel homologué pour rouler sur le réseau ferré national. Enfin, il y a un certain nombre de critères à respecter. On peut pas faire rouler n'importe quel type de matériel sur le réseau ferré national. Donc là, on a trouvé du matériel qui va bien. Donc voilà. Donc là, on est en phase, comme je disais tout à l'heure, de contractualisation, de finaliser le tour de table des financeurs, de sécuriser le financement de ce matériel et sa rénovation pour pouvoir lancer le service en juin 2022. Et après, il y avait l'autre question qui était, il y avait le matériel et il y avait la maintenance. C'est ça. Oui. Donc la maintenance, on est en discussion avec Masteris, qui est une filiale de la SNCF. Et puis également, il y a d'autres acteurs. Donc on va lancer un appel d'offres pour la maintenance. On est en discussion également avec les ACC à Clermont, qui devraient être prochainement certifiés entités en charge de la maintenance. Et donc voilà. Donc on a plusieurs pistes pour la maintenance de notre matériel roulant. Et aujourd'hui, juste pour préciser sur le matériel roulant, en fait, quand je dis c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous cède son matériel, c'est stricto sensu, c'est pas vrai. C'est-à-dire que la région Auvergne-Rhône-Alpes nous a donné l'accord pour la cession, mais on contractualise avec SNCF Voyageurs, avec qui on est en discussion justement sur la cession de ce matériel. Et donc, on discute avec Sistra sur ce volet-là, sur la récupération des plans de maintenance, etc. Donc, Avant de passer à l'autre question, il y a Alexandra qui dit est-ce que vous recrutez, ça va un peu dans le sens Alexandra, ouais. Une autre Alexandra du coup. Alexandra, ouais. Qui dit bonjour, j'adore, est-ce que vous recrutez, ça fait enfin en tout cas des conducteurs. Est-ce que vous recrutez d'autres personnes? Oui, on recrute les conducteurs, effectivement, je l'ai dit. Et puis, oui, l'équipe va se renforcer sur... il y a les fonctions support, là, qui sont... Bon, on a recruté, il y a des gens qui vont arriver, donc ça, les recrutements ont eu lieu. Mais par contre, oui, on va recruter du personnel dans les gares, puisque notre choix, c'est vraiment aussi d'avoir une présence humaine dans les gares. Ça nous semble important, essentiel même. On va recruter du personnel de bord. On va recruter notamment sur le fret là d'ici la fin de cette année sur la question des conducteurs, mais également d'autres fonctions autour du service fret. Et puis il va y avoir des recrutements. En tout cas, suivez ça, c'est sûr, ce sera sur notre site dans les toutes prochaines semaines. Nous enchaînons avec la question de Pragmatics. Bonjour, quelle est la stratégie de développement des lignes que vous aurez par la suite? Alors, sur la question fret, les choses sont encore en train de se construire. On va lancer cette première liaison fret, donc cette liaison entre Figeac et Toulouse, comme je le disais cette année, qui est un peu, pour être tout à fait honnête, qui est un peu une expérimentation, parce que c'est un nouveau modèle, on vient un peu... rompre le modèle ferroviaire existant sur le fret ferroviaire, puisque je vous disais, aujourd'hui, on va essayer d'être plutôt sur des petits volumes, sur des liaisons relativement courtes distances. Donc, on va lancer service fret, qui nous permettra aussi de roder notre certificat de sécurité, nos processus de sécurité interne. Et puis ensuite, on va se développer, mais là, il y a un cercle qui s'appelle le cercle service fret, enfin fret, qui est en train de travailler sur de prochaines dessertes. Sur le voyageur, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil. Sur le voyageur, on a notifié les lignes que j'ai mentionnées tout à l'heure. On en a notifié d'autres à l'ART pour le service annuel 2023 sur la base des travaux qui avaient été faits par les sociétaires dans le cadre du CERC service annuel 2023 où un certain nombre de critères avaient été étudiés, notamment les critères de complémentarité avec les offres SNCF, les questions de desserte de territoires touristiques, des questions d'articulation avec des voies des véloroutes, par exemple. Voilà. Enfin, il y a un certain nombre de critères, en fait, qui ont été constitués. Il y a une base de critères qui a été constituée par les sociétaires. Et sur la base de ces critères, en fait, ils ont sélectionné un certain nombre de lignes. Et c'est ces lignes qu'on a notifiées à l'autorité de régulation des transports. Voilà. Allez, on a terminé de répondre pour celle-ci. J'espère qu'on va réussir à toutes les faire. Il y en a beaucoup. Il y a une question de David. Bonjour, pensez-vous faire des trains de nuit? Donc, tu as y répondu. Les gares réaménagées seront-elles aussi sur des communes plus petites? Les trains peuvent-ils être mixtes voyageurs plus fret?
Alors oui, sur les communes plus petites, alors vous avez peut-être vu la carte, je ne sais pas si je peux la remettre, mais il y a notamment aussi une gare qu'on réouvre, qui était fermée, qui est la gare de Ghana, et par le train, la liaison Bordeaux-Lyon, bah, on va la réouvrir. Oui, on s'arrête en fait, et d'ailleurs le positionnement de RACOP, c'est bien celui-là, j'ai envie de dire, c'est pas tellement de connecter Bordeaux à Lyon, c'est pas tellement de connecter Toulouse à Rennes, encore que ça intérêt, mais c'est aussi surtout de connecter Limoges à Lyon, Saint-Sulpice-Laurière effectivement à Lyon, Roanne à Bordeaux, etc. En fait, c'est vraiment reconnecter ces territoires intermédiaires qui finalement aujourd'hui sont un peu abandonnés par le train en fait. Enfin, en gros, il faut une voiture individuelle ou alors il faut prendre une liaison qui passe par Paris, etc. Si on veut vraiment prendre le train. Donc oui, l'idée c'est de réouvrir des petites gares et d'avoir une présence en gare, comme tu disais, dans toutes les gares, on aura une présence physique en gare. Et ça, je pourrais y revenir si vous voulez sur le modèle économique aussi qui a été réfléchi autour de ça, mais il s'agit aussi d'avoir des agents RACOP qui soient pas simplement des agents RACOP en gare qui seront là pour vendre des billets, parce que comme on n'est pas sur des territoires très denses où il y aura du volume et de la masse, ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais plutôt des acteurs qui seront là, des agents qui seront là pour aussi faire ce lien avec le territoire, éventuellement commercialiser d'autres produits ou services comme des offres touristiques du territoire, etc. Enfin voilà, être vraiment dans cette interface territoriale. Et ça nous semble très important. Sur la question des petites gares. Et puis, autre question ? Non ? Les trains peuvent-ils être mixtes voyageurs plus fret ? Oui. Et en fait, justement, ce wagon-fourgon que j'évoquais dans l'aménagement de nos trains, donc on a prévu cet espace pour permettre l'emport de bagages volumineux et également de petites messageries. Alors, c'est pas à proprement parler du fret, on pourra y venir à terme, mais en tout cas, dans un premier temps, avoir cette capacité d'emport de petites messageries pour aller aussi capter des flux sur des entreprises. Je sais pas, vous avez une entreprise effectivement à Ghana qui veut transporter, qui a besoin de livrer un certain nombre, transporter un certain nombre de petites marchandises chez son partenaire à Montluçon. Elle pourra charger ça dans le train et donc on a envisagé ça effectivement dans l'aménagement de nos trains et dans les services à proposer. Alors la prochaine question, j'essaie d'inviter des participants, on verra si quelqu'un nous rejoint. On avait une question sur le confort de la ligne Lyon-Bordeaux de Sylvie qui dit qu'elle a un souvenir d'un confort assez spartiate sur cette ligne. Pourrez-vous proposer un confort plus grand ? Alors, le confort des trains, il y a plusieurs choses au niveau du confort. C'est la question du temps de parcours et la question du confort à bord. Alors, sur la question du temps de parcours, comme je disais, on ne sera pas sur de la grande vitesse. Et les sillons qui nous ont été proposés ne sont pas des sillons de très bonne qualité. L'infrastructure n'est pas de très bonne qualité. Elle est circulable, mais on ne peut pas aller forcément très vite sur toutes les parties du tronçon. Donc, le temps de parcours pourra être relativement long si on fait Bordeaux-Lyon, Lyon-Bordeaux, donc on est autour de entre 7h20 et 7h50. Ça va peut-être s'améliorer avec le temps parce qu'on travaille avec SNCF Réseau sur ces sujets-là. Mais bon, encore une fois, l'idée, c'est surtout aussi de connecter les liaisons intermédiaires. Donc, il y a cette question du temps. Il y a la question du confort à bord. Alors, la question du confort à bord, aujourd'hui, on travaille sur ces espaces que j'évoquais, notamment des espaces fonctionnels en fonction du type de clientèle. Parce que c'est le confort, il est apprécié aussi au regard de ce que vous voulez vivre à bord du train. Est-ce que vous voulez avoir un espace effectivement où vous pouvez tranquillement travailler, faire votre visio avec une connexion très haut débit et puis téléphoner sans gêner les autres passagers, etc. Donc ça, on a prévu d'avoir ces petites bulles un peu isolées dans les trains pour permettre à quelques personnes qui le souhaitent, ce ne sera pas la majorité du train, mais à quelques personnes qui le souhaitent, d'avoir ces espaces-là. Ensuite, on aura des espaces enfants, comme je disais, donc pour les familles, pour que les enfants puissent gambader, puissent se distraire, etc. Donc pour améliorer aussi le confort des familles qui voyagent, notamment avec de jeunes enfants. Après, c'est comme ça qu'on envisage le confort à bord des trains par rapport à un certain nombre de fonctionnalités et d'usages. Après, dans un premier temps, on partira sur du matériel d'occasion. On pourra peut-être pas faire tous les aménagements et certainement pas tous les aménagements qui pourraient permettre d'être un niveau de confort type TGV. Puis de toute façon, on se positionne pas forcément sur ce type de créneau-là non plus. Hein. C'est plutôt sur la fonctionnalité et les services à bord. Ça nous semble important d'apporter ces services-là aux voyageurs. Voilà.
Merci Alexandra. Bah, du coup, on accueille Alexandre qui a plusieurs questions. Donc, si vous voulez les regrouper et avoir une réponse en direct. Oui, bonjour. Alors, du coup, c'est vrai que moi, mes questions sont un petit peu orientées. On va dire que c'est un travers professionnel. Je suis actuellement conducteur TER en région Occitanie pour la SNCF. Et je sais que le 72-500 a une fiabilité vraiment... D'accord. Faible. Bon, ça a été bien amélioré hein, sur la fin de la période. Mais du coup, la plupart des lignes qu'on évoque sont quand même actuellement électrifiées. Pourquoi Railcoop ne privilégierait pas plutôt du matériel bimode, style comme les 81-500, qui sont de très bons matériels, qui sont actuellement utilisés par l'ensemble des régions et qui ont une très bonne fiabilité aussi? Ou pourquoi pas, comme la question suivante, sinon, s'il y a de la tension sur le matériel autorail, suivre le principe de l'intercité, des wagons, des locomotives, ce qui m'a l'air beaucoup plus compatible avec ce que vous disiez par rapport aux fourgons, les différents espaces à créer, parce qu'un autorail, c'est quand même très étroit, très petit, pas tellement modulable, donc voilà, c'est un peu mes interrogations. Oui, alors sur la question de l'électrification, vous avez raison sur la ligne Thionville-Lyon, elle est électrifiée. Par contre, la ligne Bordeaux-Lyon est très faiblement électrifiée. Oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà. On n'avait pas vraiment le choix. Et c'est vrai qu'en termes de disponibilité aussi de matériel, je vous ai dit, si on aurait adoré aller sur du matériel neuf avec une motorisation beaucoup plus propre. Sauf qu'aujourd'hui, les délais de livraison font qu'on l'aura pas avant 2024, voire 2025. À rouler sur le réseau ferré national, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, effectivement, on a fait ce choix de ces autorails, on n'avait pas vraiment le choix, pour être honnête. Après, vous évoquez la rame tractée, et vous avez raison, on a étudié cet élément-là aussi, sauf qu'il y a 4 broussements sur la ligne, et donc, ça nous semblait un peu compliqué. Et les rames tractées, c'est pareil, sur le marché de la rame tractée, aujourd'hui, l'équivalent des voitures corail, la plupart sont propriétés de la SNCF, elles sont amiantées, et donc la SNCF ne peut pas les céder. Donc voilà, en fait, c'est comme ça qu'on est arrivé à ce choix-là des X72-500. Bon, au moins, c'est un choix qui passe partout. Ça, c'est le gros avantage de ce matériel-là. Quoi. En thermique, on n'avait plus de frontières. Oui, c'est ça. Merci, en tout cas, pour ces réponses. Merci. Merci. Merci, Alexandre. Alors, on va essayer de reprendre le fil. Je pense qu'on était aux questions de Philippe. Quelles sont les différentes actions de communication et de prospection commerciale prévues pour conquérir et fidéliser Philippe dit nos premiers clients. À quelle échéance ces actions seront lancées en vue du service voyageur de 2022? Alors, juste première étape, hein, pour nous, la commercialisation, ça va être la commercialisation sur le fret. Donc là, l'équipe fret va se renforcer avec un commercial fret qui va poursuivre, accentuer en fait la démarche de commercialisation auprès des chargeurs pour lancer le service donc le 15 novembre. Donc ça, c'est première action qui a déjà commencé, mais l'équipe, je vous dis, va se renforcer et notamment là à l'été pour continuer cette action de commercialisation. Sur le voyageur, donc on va confirmer nos sillons de circulation. Donc on les a commandés, mais c'est une sorte de précommande, si vous voulez. En fait, il faut confirmer la commande donc au mois d'octobre. Donc on va confirmer si tout se passe comme on l'a envisagé, c'est-à-dire qu'on contractualise sur le matériel roulant, etc., dans les temps, comme je l'indiquais. Donc on va confirmer en octobre la commande des sillons. Et à partir de là, on lancera la commercialisation. On a plusieurs canaux de commercialisation et de communication donc qu'on va activer sur cette commercialisation des billets. Alors déjà, effectivement, une commercialisation en ligne via des plateformes existantes, parce qu'on ne va pas développer, en tout cas pas dans un premier temps, notre propre plateforme, en s'appuyant notamment sur une plateforme comme Trendline. Pour être tout à fait transparente avec vous, on a demandé également à SNCF, si on pouvait travailler sur un partenariat pour une commercialisation de notre offre aussi sur la plateforme Oui SNCF. À ce jour, la SNCF n'est pas favorable à ce partenariat. Donc, on va développer quelque chose via d'autres plateformes. Nous, on aura aussi notre présence en gare. Ce ne sera pas
tout de suite à la fin de cette année parce qu'il faudra que les gares soient aménagées, etc. Donc, quelques jours avant le lancement du service. Et puis, par ailleurs, en fait, on est en train de travailler aussi sur des actions de partenariat avec notamment des tiers-lieux, des acteurs de l'économie sociale et solidaire ou d'autres acteurs, par exemple les buralistes, dans les villes, dans les territoires ruraux, pour commercialiser nos billets. Donc voilà, on lancera toute cette phase de commercialisation à la fin de l'année. On est en train de la mettre en place, de la construire, y compris avec les sociétaires, puisqu'il y a un cercle tarification qui va aussi se mettre en place pour construire aussi cette politique marketing et de tarification. Donc il va se mettre en place prochainement. Une petite pointe. Il lancera fin d'année, début d'année prochaine, on lancera la communication et la commercialisation. Ça coupe un petit c'est peu. Bon, ouais. J'espère que ça coupera plus de temps en temps. Alors, je ne sais pas si c'est ma connexion ça ou la va. Tienne. Alors là, on a une question de Pierre-Louis qui est, à mon sens, assez technique. Le choix de la traction diesel s'explique à ce stade, mais que ferez-vous des matériels non amortis si la traction hydrogène se développe rapidement dans le ferroviaire avec taxation sur le diesel? Ouais, alors bon, la question de l'hydrogène, c'est une vraie question. Je sais pas bien à quelle échéance le marché va être complètement mature, parce que aussi pour être clair sur cette question de l'hydrogène, on en avait parlé avec Alstom, donc indépendamment de la question de partir sur du matériel roulant neuf ou pas. Cette question, alors il y a la question de l'amortissement, mais je vais y venir. Ce que nous disait Alstom, c'est qu'aujourd'hui, ce matériel, même s'il y en a une partie qui circule déjà en Allemagne, il avait la nécessité d'être rodé hein, aussi. Et donc, ce n'était pas forcément une bonne idée pour nous, jeunes entreprises ferroviaires, de partir tout de suite sur ce type de matériel. En tout cas, c'est le retour que nous avait fait Alstom. Ensuite, le matériel qu'on achète, le matériel d'occasion, effectivement, il sera amorti. L'amortissement de ce matériel est prévu sur 10 ans. Donc, puisque c'est du matériel d'occasion, donc on est sur un amortissement d'une dizaine d'années. Donc, on sera je n'ai pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Alors, on a la question de... tu as y répondu, sera-t-il possible de commander des billets Railcop via la SNCF? Donc, ça, c'est bon. La question de Nicolas... est-ce que Railcop souhaite lancer un aller-retour Toulouse-Clermont en décembre 2024? N'allez-vous pas, par conséquent, concurrencer la SNCF sur cette relation? À l'origine, Railcop voulait aller là où la SNCF ne proposait pas de relation. Avez-vous changé d'avis? Non, on n'a pas changé d'avis. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'aller, c'est vraiment de compléter le maillage existant. Il y a eu le rapport TET, donc vous avez vu ça. Nous, les sociétaires, avaient travaillé en amont, déjà avant le rapport TET, hein, sur un certain nombre de liaisons. Donc, on a notifié ces liaisons à l'autorité de régulation des transports. Aujourd'hui, on échange aussi avec le cabinet de Jean-Baptiste Gébari sur le sujet. L'idée, c'est bien... Enfin, les notifications... qu'on a fait, prendre attache et sécuriser notre potentiel de développement pour la suite, pour des questions de saisine. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà. Notre idée, notre positionnement de marché reste celui-ci, reste de venir compléter le maillage ferroviaire. On ne change pas de stratégie. Si ce n'est que là, effectivement, ce travail qui avait été fait par les sociétaires, on a souhaité quand même le valoriser, l'inscrire dans ce cadre-là, puisque le rapport TET n'est pas non plus, la mise en œuvre des TET n'est pas encore complètement claire, quoi. Donc voilà, donc on ne s'est pas fermé de porte, on a notifié, et puis effectivement, on verra en fonction de l'avancée des choix stratégiques de l'État et la manière dont on s'articule avec ces choix-là. Alors, ça a coupé pour nous, je pense que tu as un petit problème de connexion, ça a coupé au tout début de ta réponse, on l'a eu en accéléré, mais je pense qu'on a compris l'essentiel en espérant que ça ne recoupe pas par la suite. La prochaine question est celle d'Alexis, même si on a aussi évoqué la maintenance. Tu penses que c'est bon, ça va tenir? Je vais peut-être juste voir avec mes collègues. Ouais. Comme tu veux, pour le moment, ça devrait tenir. Ah bon, parce que la connexion est comme ça.
Bon, on va continuer, on va espérer. On va essayer. Alexis demande s'il y a déjà une politique de maintenance matérielle prévue, maintenance externalisée ou internalisée, ou les deux, recrutement, etc. Tu l'as évoqué déjà avec un partenariat potentiel. Je ne sais pas si tu voulais compléter. Ce que je disais, voilà, c'était on discute avec Masteris, on discute avec d'autres, avec les ACC, notamment à Clermont. Voilà, on discute avec un certain nombre de mainteneurs. Oui. On a une question maintenant de Anne-Laurence qui demande est-il possible de souscrire à RELCOP autrement que par l'ITA ? C'est possible, mais pas en ce moment. Ça sera possible à nouveau sur le mois d'août, si je ne me trompe pas, Alexandra ? C'est ça, on va réouvrir les souscriptions publiques à partir du mois d'août. Ouais. Donc, peut-être juste pour compléter, pour vous dire aussi le partenariat l'ITA et RELCOP permet aussi à RELCOP d'avoir accès à notre communauté, de mélanger aussi nos communautés et par rapport à pourquoi investir via l'ITA là maintenant, en fait, ça vous permettra de potentiellement avoir un outil qui vous permet de suivre votre participation. Nous, on sera là aussi pour vous communiquer différents reportings sur l'évolution de l'activité et potentiellement, si vous voulez continuer à investir dans l'impact, avoir un portefeuille plus global. Voilà un peu si vous voulez avoir une vision et savoir pourquoi vous lancer aujourd'hui. On a une question de Mathilde. Avez-vous des informations concernant l'investissement dans les parts sociales de RELCOP tout en étant résident fiscal français dans un autre pays de l'Union européenne ? Qu'en est-il de la taxation en France ou à l'étranger ? C'est vrai que c'est peut-être plus une question pour l'équipe LITA, mais comme vous levez aussi, vous avez levé, je pense que tu peux aussi répondre. Ça va être par rapport à l'avantage fiscal. Et puis aussi ça dépend des pays, mais je pense que c'est possible de devenir sociétaire. Vous avez déjà plusieurs, 22 nationalités, 22 pays qui ont 22 personnes, enfin pas 22 personnes, mais en tout cas 22 pays représentés pour être sociétaire, je vais y arriver. Oui, après l'avantage, moi ce qu'on nous a posé la question souvent, pas souvent, mais quelquefois, sur la question des avantages fiscaux. N'importe qui, où que vous soyez, quelle que soit votre nationalité, tout le monde peut devenir sociétaire. D'ailleurs, y compris les plus jeunes, les enfants, etc. Alors, pour le moment, je ne pense pas que ce soit ouvert sur l'ITA, mais il est possible, effectivement, que aussi des mineurs deviennent sociétaires, sous réserve, bien évidemment, de la validation de leurs parents. Mais tout le monde peut devenir sociétaire. Sur la question de la réduction fiscale, moi, ce qu'on avait compris, mais effectivement, peut-être que l'équipe LITA pourra préciser ça, c'est que en fait la question de l'investissement dans des PME communautaires est éligible à une déduction fiscale, donc au niveau français, mais le parallèle doit être vrai dans à peu près tous les autres pays, puisqu'en fait c'est lié effectivement au cadre européen, de ce que j'ai compris, mais encore une fois je suis pas fiscaliste et donc... Après, il faut toujours le conseil, c'est toujours se rapprocher d'un conseil fiscal, mais a priori, faut que l'entreprise ou l'organisation ait son siège social dans le pays pour avoir la réduction fiscale du pays et pour avoir la réduction fiscale en France. En tout cas, moi, à ma connaissance, il n'y a pas de pays qui peuvent avoir cette éligibilité-là. Donc, a priori, il faut être résident fiscal français pour avoir la réduction fiscale, mais toujours se rapprocher de son conseiller. Mais voilà, c'est plutôt la tendance. Mais vous pouvez devenir sociétaire tout de même. Puis-je investir via ma propre banque ? Du coup, oui. Vous pouvez investir via votre banque. On a déjà répondu à la question d'Alexandre. On a maintenant une question de Valentin qui aurait une question sur la structure AllRide dont fait partie RELCOP qui vient d'être mentionnée. Cette structure s'est démarquée par certaines prises de position considérées comme orientées contre le service public ferroviaire. Pourrait-on en parler ? Oui. Alors, je sais que ça a pu être perçu comme ça. C'est pas tout à fait ça en fait, AllRail. Hein. C'est vraiment, nous on a rejoint AllRail avec cette volonté de faire de la veille un peu sur les enjeux de barrières à l'entrée pour des nouveaux entrants. C'est pas facile de créer un nouvel opérateur ferroviaire et effectivement c'est pas facile de créer un nouvel opérateur ferroviaire dans un environnement où finalement vous avez effectivement des entreprises nationale qui occupe une position dominante depuis longtemps. Et la question que j'évoquais notamment sur la commercialisation des billets, j'ai vu dans le chat que la question était posée de savoir pourquoi la SNCF ne voulait pas aussi travailler sur un partenariat et une mutualisation. C'est une vraie question. La réponse qui nous a été donnée, c'était de dire si on le fait pour vous, on doit le faire pour tous les autres, etc.
moi, en tant que citoyenne, enfin, là, je m'engage un peu, mais c'est vrai que ça m'interpelle parce que on aurait pu se dire, bon, bah, ok, il n'y a pas d'ouverture à la concurrence, il n'y a pas d'ouverture à la concurrence, et on aurait pu le défendre et voilà, et se dire le système fonctionne bien et parfait. Là, il y a eu cette ouverture à la concurrence. Nous, RAECOP, on s'inscrit dans le cadre de cette ouverture à la concurrence pour venir compléter le maillage existant et répondre à des besoins des citoyens qui sont aujourd'hui un peu délaissés par le ferroviaire sur certains territoires. Donc, c'est vraiment dans cette logique de complémentarité. Et finalement, l'opérateur national, en tout cas côté voyageur, ne joue pas forcément cette carte de la coopération au service finalement des citoyens et des usagers. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de barrières qui existent, on n'est pas naïf par rapport à ça, et effectivement, on a rejoint AllRail avec cette idée de faire face, de porter cette parole auprès de la Commission européenne en disant il y a des difficultés d'accès au marché, il y a des barrières qui existent, comme pour la question de la billettique, de la commercialisation, par exemple, parce qu'effectivement, cette question d'avoir des plateformes qui soient très ouvertes, très connues, etc., pour de nouveaux entrants, c'est un vrai sujet. Il y a la question de l'accès au matériel roulant, c'est un vrai sujet, avec des opérateurs historiques qui finalement peuvent bénéficier du matériel qui ont été financés par les acteurs publics, par les citoyens, par l'impôt finalement, mais qui vont pouvoir opérer sur un certain nombre de marchés, mais nous, nouvelles entrants, eh ben, on a tout un certain nombre de barrières à lever. Donc oui, on est rentré dans cette association AllRail pour suivre un peu ces éléments législatifs et pour faire remonter les difficultés qu'on peut rencontrer en tant que nouvelle entreprise ferroviaire auprès de la Commission européenne notamment. Voilà. Merci beaucoup Alexandra, on a encore beaucoup de questions, je ne suis pas sûre qu'on va pouvoir y répondre à tous pour vous laisser aussi l'opportunité d'aller déjeuner. La prochaine question de Yannick, c'est quelle est la date de fin de collecte? Ce sera le 31 juillet, pour date de dernière, pour les dernières souscriptions. Pour la question de Juliette, on y a déjà répondu. Il y a Jonathan qui nous pose la question, avez-vous déjà obtenu des créneaux horaires sur les sillons de SNCF Réseau pour la ligne Lyon-Bordeaux? Oui, on les a commandés même. Hein. On les a construits, ils ont été inscrits au catalogue, pour ceux qui connaissent, et on les a commandés au mois d'avril. Et on va confirmer la commande là au mois d'octobre. Question de Jonathan, pour l'obtention de la licence ferroviaire auprès de l'EPSF, au-delà des moyens financiers, quelles sont les compétences et garanties que vous pouvez apporter en termes d'entretien et de sécurité? Alors, la licence, il y a deux choses. La licence, c'est auprès du ministère de la Transition écologique, ministère des Transports. Donc ça, c'est un dossier administratif où on dit qui on est, effectivement, quelles sont les garanties financières qu'on a. Donc ça, c'est la licence. Et il y a le certificat de sécurité. Donc ce sont les deux éléments qu'on doit avoir pour pouvoir faire rouler nos trains. Donc, le certificat de sécurité, c'est notre équipe sécurité, donc les quatre personnes que j'évoquais tout à l'heure, qui travaillent à l'élaboration de ce certificat de sécurité et donc qui va être déposé auprès de l'EPSF le 1er juillet. Et donc, c'est tout un certain nombre de procédures de sécurité, de contrôle, de vérification. Ils sont en train de construire tout notre système de sécurité. Il va être déposé sur dossier, parce que dans un premier temps, comme on ne fait pas de rouler de train, ce sera un dossier qui va être déposé, qui va être instruit par l'EPSF. Et ensuite, on va avoir un contrôle, une fois qu'on aura lancé nos premiers services fret, c'est pour ça qu'on commence par le fret, c'est aussi pour nous roder sur nos processus de sécurité. On va avoir un contrôle, vraisemblablement au mois d'avril de l'année prochaine, pour vérifier que ce qu'on a annoncé dans nos rapports, dans nos dossiers, est bien mis en œuvre concrètement dans la réalité sur le terrain. Et donc, il va y avoir un contrôle de l'EPSF au mois d'avril, et ensuite, pour vérifier, valider concrètement le certificat de sécurité qui nous permettrait de lancer nos trains. Puis ensuite, il y a des contrôles réguliers, hein, de l'EPSF, des entreprises ferroviaires, pour vérifier effectivement que la sécurité est bien respectée, les procédures de sécurité sont bien respectées. Je vais essayer de regrouper certaines questions pour qu'on puisse finir vite. Une question de Valentin et une autre question aussi. Je vais mutualiser au sujet de la cession du matériel roulant en cours au profil de RailCop. Pourriez-vous préciser si c'est une cession gratuite ou de matériel, ou plutôt du matériel acheté à la région? Et puis on a une question en haut, enfin plus récente aussi, sur le fait, est-ce que vous prévoyez d'acheter du matériel neuf plus écologique? Oui, alors effectivement, on achète le matériel à la région, enfin on l'achète à SNCF Voyageurs, parce que c'est la région qui a payé, mais c'est SNCF Voyageurs qui nous le vend. Donc on l'achète, c'est pas une cession gratuite. Et par ailleurs, oui, on envisage d'acheter du matériel neuf. Comme je disais, on va travailler là d'ici la fin de l'année sur l'élaboration du diagramme d'aménagement et les
spécifications pour pouvoir passer la commande. Mais on va passer la commande selon toute vraisemblance. Enfin, ça dépend un petit peu de la manière dont les choses vont monter en puissance. Mais en début d'année prochaine, ce qui veut dire que le matériel ne nous sera pas livré avant fin 2024, début 2025 de manière plus certaine. On a encore... Il y a vraiment des questions... Effectivement, avec une... Pardon, Alexandra. Ça coupe un petit peu. Ah mince, je ne sais pas quoi faire. Je suis toute seule là en plus. On va essayer de prendre les dernières questions parce qu'elles sont vraiment intéressantes. Non, mais ça devrait aller. Honnêtement, ça va. Ça a coupé un tout petit peu. Mais on a deux, trois questions. Ce serait vraiment intéressant d'y répondre, je pense. Et après, on va vous laisser. C'est savoir si les salariés RELCOP bénéficieront des mêmes conditions et avantages que les agents SNCF. Est-ce que ça ne posera pas un problème pour le recrutement? Ça coupe. Est-ce que tu as entendu ma question? Vous m'entendez? Oui, c'est bon, on t'entend. Est-ce que tu as entendu la question? J'ai entendu ta question. Ouais. Ok. Top. Alors, la question donc nous, on est soumis à la convention cadre du ferroviaire. C'est pas le statut cheminot. Le statut cheminot n'existe plus, hein, pour être clair. Et nous, on ne peut pas embaucher des gens au statut cheminot puisque déjà on est une entreprise privée. Et en plus, ce statut n'existe plus. Même la SNCF aujourd'hui ne recrute plus des gens avec ce statut de cheminot. Donc, on est soumis à la convention cadre du ferroviaire. Aujourd'hui, on travaille aussi sur ce cadre social. On a discuté, on a échangé avec beaucoup de syndicats, avec l'UNSA, avec Sudrail notamment, sur cette question de la construction de ce cadre social. On recrute quelqu'un qui nous rejoint mi-juillet, qui va être responsable des ressources humaines et du dialogue social, pour construire ce cadre social. Pour vous dire simplement, au jour d'aujourd'hui, où on en est aussi des engagements sociaux qu'on a pu prendre, même si ce cadre social, il est en train d'être construit. On travaille sur la question, donc aujourd'hui, tous les salariés de RELCOP ont une prévoyance, qu'ils soient cadres ou qu'ils soient non cadres, alors que la réglementation, la convention cadre du ferroviaire impose une prévoyance uniquement pour les cadres. Nous, on a fait le choix de prendre une prévoyance également pour les non cadres. On a une prise en charge à 100% de la mutuelle, pour tous, bon, alors pas pour les ayants droit, mais uniquement pour les salariés, mais on a une prise en charge de la mutuelle à 100%, ce qui va au-delà, encore une fois, des obligations réglementaires. Voilà, donc on est sur ces schémas-là. On essaie de limiter aussi, en termes de cadre social, le nombre de découchés, parce que bon, les découchés, ça coûte cher à l'entreprise, c'est vrai, mais c'est pas que ça, c'est aussi socialement, ça nous semble pas forcément très... tip-top, on va dire, je suis désolée de parler un peu trivialement comme ça, mais en tout cas, de mettre ça en place parce que c'est aussi des gens qui ne rentrent pas chez eux le soir, qui ne voient pas leurs enfants, qui ne voient pas leur famille, etc. Donc, on est aussi, on est dans cette réflexion-là qui va s'amplifier, qui va se mettre en place. On est au début de l'aventure, mais oui, on a l'ambition, en tout cas, de mettre en place un cadre social qui soit juste et qui soit bien pour les salariés de RELCOP demain. Mais on ne pourra pas octroyer un statut de cheminot, c'est pas possible. Merci beaucoup, Alexandra. Je pense qu'on a fait un peu le tour pour ceux qui voulaient poser d'autres questions ou qui n'ont pas eu une réponse sur leurs questions, puisqu'on est un peu court sur le temps. N'hésitez pas à nous les poser directement sur le chat. On y répondra, on demandera à Alexandra d'y répondre. Les temps d'échange pourront encore être possibles et pourquoi pas lors d'un prochain événement, je ne sais pas, on verra, mais en tout cas c'est vrai que vous étiez nombreux, beaucoup de questions, donc on est un peu forcé de ne pas pouvoir y répondre à tous, mais on peut déjà merci à tous d'avoir participé et merci Alexandra. Merci à vous et puis on reste à votre disposition et sur notre site on a aussi une FAQ si vous voulez, donc on répond à des questions et puis n'hésitez pas à nous envoyer des questions via l'ITA aussi. Oui, merci et puis beaucoup. Pour ceux qui souhaitent investir, c'est possible du coup directement sur l'ITA. Merci à tous. Merci. Et bonne journée, bon appétit.